vraiment content d'être là, Caro, pour nous capables de présenter cette nouvelle édition de la HTN. Et on a profité de dire à tout le monde qui a regardé nous sous petit écran yo, et ça qui a regardé nous dans net, Happy Thanksgiving. C'est un moment d'action de grâce. Et je crois que, eh bien, on va remercier bon Dieu pour tout ça qu'il fait pour vous, pour non seulement la santé que le baou, et le monde qui que l'y mettait sous chemin ou sous route, qui aidait. Ça a été de toi l'année, nous te faisons réflexion de la semaine sous l'intolérance. Et dans le moment que nous prenons action de grâce, dans le moment que nous célébrons Thanksgiving, nous croyons que c'est nécessaire pour nous être capables et bien aller dans l'archive nous pour nous remonter avec réflexion ça que nous te fait sur l'intolérance. Et l'autre titre que nous gagnons, il y a toujours dit et nous répétons dans HTN, et Jacques Cocteau dit c'est la c'est le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Samba, de son vrai nom, Erson Pierre-Louis, s'il était là parmi nous, eh bien, 23 novembre qui sont passés là, il a gagné 59 ans. Mais malheureusement, eh bien, au 17 juin 2010, eh bien, Samba t'est passé, t'es allé à l'au-delà. Samba t'est voyagé, t'as comme on dit, pour payer son chapeau. Alors, mais nous connaissons que, il y a des gens qui passaient, il a mouru, il a pas laissé trace, mais Samba, eh bien, pour saluer mémoire, lui, nous te font interview avec lui, et c'est de ces interviews ça que nous pourrons faire, nous pourrons fort revivre, et à partir de là, on connaît qui moun, qui te Samba. C'est deux, trois titres ça, yo, avec d'autres, on pause, et on tourne. We are here to encourage you all to support Educate to Change. Educate to Change is a movement to prepare Haiti's children for the challenges and opportunities of the 21st century. What is education? C'est l'avenir d'un pays. L'éducation fondamentale. Yes, it is. Why is Haiti behind? And what do you want to do about it? C'est nous toutes qui pouvons changer ça. Alors? Wait a minute. Même le grand Eric Vergal comprend l'importance de l'éducation pour les enfants en Haïti. Qui place vous pensez que l'éducation t'a qu'à jouer dans le cas de changement en Haïti? L'éducation fondamentale. Educate to change. Please help attempt educate to change Haiti. La réflexion de la semaine. Mais je dis à nos papes gagner pour le créole, c'est plutôt un mot qui baille en pile, qui fait couler beaucoup d'encre. Et nous capables de dire comme ça que si gagne un mal qui répand la terreur, si un fléau qui fait un pile dégâts et si une épidémie qui fait ravage un peu partout dans le monde, eh bien mot ça, c'est lui-même qui est à la base de eux, c'est le mot intolérance. Intolérance à la base de plusieurs conflits, conflits religieux, conflits ethniques et même politique. Un grand observateur société haïtienne a fait remarquer que Haïtiens eux-mêmes de nature sont intolérants. Alors de toute façon, nous ne pouvons pas rentrer dans les détails pour être capable de trouver et vérité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Cependant, nous sommes capables de constater que le mot intolérant même si nous n'y a pas mentionné, mais son mot qui pesait lourd quand il s'agit de porter un jugement sur le monde quand il s'agit de porter un jugement sur le type de comportement que le monde est capable de gagner. Naturellement, là, nous parlons de intolérance. Il est important pour nous capables d'établir une petite différence. Premièrement, il y a des intolérances que nous sommes capables de dire acceptables. Par exemple, si on n'est pas capable de supporter un médicament, ça veut dire que quand on a une réaction à un médicament, ça ne peut pas tolérer, ça veut dire que là, nous sommes capables de dire, et le plus souvent, sous et avis docteur ou docteur doit nous consacrer, eh bien, pas prendre médicament ça parce que corps provoquer une sorte d'intolérance à médicament ça. Il y a un doit son fruit, il y a un doit son pomme, il y a un doit tant que moi-même, et corosol pas faire bien. Ça veut dire que nous développons une intolérance par rapport à corosol là, comme pas qu'à tolérer. Gémoun, c'est un manger, un type de manger. Et à ce moment-là, et sagesse obligée fait nous comprendre que dans le cas ça, type d'intolérance ça, nous capables de dire c'est une mesure de prudence, c'est une précaution que nous prenons, c'est une abstinence que nous fait parce que et si nous mangeons des bagages, eh bien, il est capable d'outils néfastes pour nous.
Alors, type d'intolérance, nous capables de les acceptable parce que li pas fait tort à aucun monde, li pas empêcher aucun autre monde évoluer dans la société. Mais cependant, il y a des intolérances qui conduit, ça nous capable dit, qui enfanté, ça nous capable relayer le racisme, qui enfanté la haine, qui enfanté la xénophobie, qui enfanté le terrorisme, et c'est de intolérance ça que nous t'arrêmer fait un petit parler tout petit sous lui. Parmi gens de intolérance qui provoquent des gars ça yo, nous joignent intolérance religieuse par exemple. Au monde on dit lui c'est protestant ou bien lui c'est baptiste, lui c'est catholique, lui c'est témoin de Jéhovah, lui c'est adventiste. Alors lui pas vle comme quoi lui pas mêlé avec pentecôtiste, lui pas mêlé avec catholique. Catholique là dit qu'on savait lui même c'est catholique lié, lui pas mêlé avec musulman. Alors genre de intolérance yo qui ça nous capable comprendre, qui ça nous capable voir qui vivait, eh bien li à la base de plusieurs guerres de religion, de plusieurs animosités, de plusieurs dissensions qui faites, et il y a des fois même intolérance religieuse ça qu'on fait madame pas bien avec mari, petite pas bien avec madame, frère pas bien avec sœur, tonton qui pratiquait religion, il y a des problèmes avec un grand sœur qui pratiquait une autre religion parce que gon certaine intolérance qui entraîne en jeu. Gen intolérance ethnique tout. Oh oui, mon nan doit dire comme ça que eh bien et race pas là et groupe pas là plus supérieur par rapport à tel autre groupe, et nous voyons ça grand pile génocide qui fait et en Afrique, nous capable parler de génocide qui fait en Rwanda par exemple, nous capable voir que Hitler même qui t'avait créé une race aryenne et comme quoi pensant qu'il est capable de dominer le monde, et nous ouais qui ça qui conséquence néfaste que et intolérance ethnique ça t'est réalisé. Gain intolérance économique tout parce que la situation économique yo a fait ravage, nous pas qu'à manger, et bien qui ça vient produit vient une sorte de scapegoat en anglais, ça veut dire à la recherche d'un bouc émissaire. À ce moment-là, nous voyons que face à intolérance économique, le plus souvent c'est immigrants qui payent conséquences là. Ça veut dire que si petite terre pas qu'à manger, si petite terre a grossé de bagages pas capable joindre, eh bien c'est immigrants qui causent. Gain tolérance politique tout, c'est que si nos partis politiques, eh bien l'autre parti politique là pas qu'à bien avec, nous pas qu'à chiter sous table, sous même table pour nous parler. Eh bien tout ça prouve nous que intolérance living by en pile tête chargée. Mais pour capable saisir porter intolérance là, il est important pour capable utiliser ça nous capable reler une approche dialectique, comme quoi en dialectique nous consacre toute chose comporte en elle-même son contraire. Alors pour parler de intolérance, faut capable définir sa tolérance. Tolérance c'est reconnaître et valeur ou reconnaître un bagage même si ou pas d'accord avec. Tolérance c'est reconnaître l'autre droit pour exister. Et tolérance c'est par opposition à intolérance. Tolérance c'est permettre à ce que l'autre là est capable de survivre. Alors, un monde qui est intolérant, c'est un monde qui gagne esprit fermé. Ça veut dire que lui est tête, c'est lui seul qui a la page. Par l'autre, ça veut dire que ça le croit, c'est lui-même qui seul vérité. Ça veut dire qu'en dehors de lui-même, pas gagne l'autre vérité. Et moun kapli nan gros livre là, il a remarqué que intolérance, c'est moun qui gagne esprit, comme nous capable dire, esprit fermé, qui pas bail possibilité à l'autre là pour lui capable de développer. Alors, façon que nous capable combattre l'intolérance, c'est par le dialogue, la communication et la réconciliation, accepter l'autre là, même l'heure que ou pas partager même idée avec. Comme ça, communauté haïtienne a pour communauté qui va avancer pour plus devant. We are here to encourage you all to support Educate to Change. Educate to Change is a movement to prepare Haiti's children for the challenges and opportunities of the 21st century. What is education? C'est l'avenir d'un pays. L'éducation fondamentale. Yes, it is.
Why is Haiti behind? And what do you want to do about it? C'est nous tous qui pouvons changer ça. Alors? Wait a minute. What? Educate to change Haiti. Même le grand Eric Vergal comprend l'importance de l'éducation pour les enfants en Haïti. Qui place pour penser que l'éducation n'a qu'à jouer dans le cas de changement en Haïti? Éducation fondamentale. Educate to change. Please help Fatem educate to change Haiti. Je dis que l'existence est un miracle. Nous là, nous ne pas connaît qui le n'a quitté ça. Il y a pile monde d'ailleurs qui devançait nous. Gagnés qui devançaient nous, ils n'ont pas quitté trace. Nous pas même songé. Mais gagnés de par action, yo, de par ça qu'on fait, mais nous avons nécessité pour nous-mêmes acheter un signe de reconnaissance à nos amis, nos camarades qui ont vraiment supporté nous. L'un a fait activité, soit dans la librairie, à toute autre activité, mais m'encourager nous acheter une. Il était toujours là. Cependant, la maladie emportait, et c'est comme ça, le 17 juin 2010, Samba, de son vrai nom, Erson Pierre-Louis, eh bien, monsieur parti, monsieur fait voile pour pays sans chapeau. Monsieur était fait au 23 novembre 1954. S'il était là, parmi nous, il a gagné 59 ans. Et je dis à pour marquer mémoire, eh bien, nous parlons d'une interview que nous avons réalisée avec lui sur la culture. Et je crois que pour les gens qui étaient habitués avec lui, eh bien, son moment pour repasser, pour être capable de voir comment, monsieur, qui ça, qui impact que tu as fait dans la vie. On regarde l'interview. Ça. Ça, c'est pour moun qui te kon viv bel moman nan peyi a. Tan sa yo ale, men nou gen espoir, reviv yo ankòr. Je football, moi j'aime mon go à pas d'aime qui est les juniors. M'te content parce que j'aime plaisir à go go m'gon pas qu'à ton soleil coucher à ti mounio pour faire la go. Pour le faire neve nous en dormi, lever bonnet demain matin nous tout ensemble pour manger cabiche à café. Après ça nous prenons des cannes, nous n'apprenons mouté descendre dans toute la ria pour nous visiter tout quartier. Nous prenons chita en bas pied bois, nous jouons quatre. Des fois tout le monde est tiré entre nous pour nous sac à battre. L'en fini dans la rivière en albéé. Fais-je t'opérie dans le bois pour nous s'accapter. Nous tout en bas jardin, y'on a mangé qu'un. Les outils va que sont finis, mes amis, loin qu'on veut prendre. Est-ce qu'on a quitté belle gratis, y'on y'a allé? Comme nous nous démissionnés, y'a chita, y'a pas de palais. Pas un petit monde cap sauté comme. Monter bicyclette presque fin par la mode. Pas un petit monde cap fait la godélie. Pour y s'être pas plaisir, bien en bas la pli. Pour que ça ne va tirer pour nous. Jeune yon nan dérive, ou n'y a se plus message texte au lieu au plus faux qui souligne. Yale, pas un petit monde cap sauté comme, monter bicyclette presque fin par la mode. Yale, pas un petit monde cap.
Comment nous y voilà, en forme, merci pour l'invitation et je salue tous les téléspectateurs. Parlez avec les téléspectateurs, de qui monde qui s'en va? Moi, je ne me considère pas comme un vétéran dans la radio. Je me considère plutôt comme un perpétuel apprenti dans la radio parce que je constamment apprendre. Moi-même, je suis Samba, ce n'est pas un homme, mais c'est à titre ça que je choisis pour me faire. Pour me faire radio, pour me faire radio. Programme radio, hein, les anges, radio anges, parce que je pensé à pour me projeter un aspect culturel haïtien, hein, non seulement aspect culturel, là, mais mettre dans le contexte historique tout, pour en pile nation, tu as même des haïtiens, on sait le bail comme des haïtiens, haïtiens, c'est son, une nation qui est pauvre, c'est le premier bail à bord, ils associent nous à la pauvreté. Moi-même, travaille pas ou bien peut-être travaille en pile dans nous, c'est ça qui fait tout. C'est pour projeter l'autre aspect de haïtien. Haïtien, c'est pas associé avec la pauvreté, mais avec la liberté tout. Que ça que Haïti fait dans le monde là, qui cause un paquet de bagages changés. So, c'est travail nous en tant que haïtien pour nous projeter l'aspect ça de Haïti. Mais le monde entendait radio Zange et nous connaît que mot Zange là il doit aller gagner plusieurs connotations. Alors qui sont capable de dire sous ça fait ça? Pour qui ça ou choisi mot Zange? Mot Zange là c'est on l'aime d'attendre une musique beaucoup en expérience qui veut les anges tourner. Mais c'est tellement attendre musique là qu'il est là me vient que vraiment c'est pas une musique seulement lié idée que zanjou tourner. Zanjou tourner dans l'esprit en pile dans nous-mêmes, manifester en pile dans nous-mêmes pour nous tant que travail à faire, c'est comme si moi son travail, c'est esprit qui manifester dans nous-mêmes pour faire travail là pour évolution communautaire haïtienne. D'accord, naturellement et nous pas rentrer dans affaire religion, vous comprenez moi. Oui. Alors, je toujours dit même me rappeler pendant que j'étais dans ethnologie. Ils ont toujours comparé Zanjo avec loi, tout ça. Alors, peut-être, alors, nous ne pas prendre là-dedans. Mais et comment radio a évolué? Oui, il y a un aspect avec loi, vraiment. Parce que loi qui propage culture, hein, qui protège culture, hein, c'est Zaka. Eh bien, Zange, c'est Zange Zaka. Moi-même, c'est propager culture haïtienne. Et esprit. Qui kembe culture haïtienne dans ces Zaka. Bon, ça veut dire que vous parlez de Zaka, qui sont lois, et dans le panthéon vaudois, Zaka c'est ministre de l'agriculture, cousin Zaka, non? Oui. Hein? Oui. C'est ça. Alors, mais naturellement, nous connaissons que ça capable de susciter des grandes controverses. Ça veut dire que, à la minute qu'on dit comme ça, que c'est Zaka qui a protégé la culture, alors il y a une différence entre la culture qui sont c'est les manières d'être et d'agir de tout individu en général. Ça veut dire qu'il y a une culture haïtienne. Et Zaka, qu'on va parler, hein, dans le cadre et études que nous faisons sur le Vaudou, c'est lui-même qui a accompagné les paysans yo, dans le travail de la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire que vous avez établi la différence. Alors, naturellement, pour qui ça, c'est Zaka? Comment se dit là, pour moi-même,
c'est Zaka qui représente la culture. Un paysan, c'est lui qui représente la culture. Parce qu'on voit, nous devons mettre en pile l'autre aspect dans la culture toujours. Mais là, on parle de vaudou. Dans vaudou, je ne dis pas pour les gens qui parlent vaudouisant, mais peut-être dans vaudou, il y a vaudouisant qui pensait que Zaka, c'est lui-même qui représentait la culture. Alors, si c'est Zaka qui représentait la culture, est-ce qu'on ne peut pas penser que Zaka n'a pas fait travail, puisque terre a dévasté, bon érosion qui a crasé le pays? Est-ce que vous avez dit avec moi? Et les gens qui ont cultivé la terre, à ce moment-là, trois canaux-là, tant que vous avez dit que la terre suit son homme. Parce que vous avez non seulement un exode rural qui fait, et puis tout, les gens qui ne sont pas capables aller converger vers les villes, ils sont obligés de prendre un terre. Alors ça veut dire que si la terre était bon, ça veut dire qu'il a prêté en dehors. Alors à ce moment-là, vous pensez que Zaka est ce demeurer au Béboua et renoncer. C'est pas Zaka qui renonce. Si tout le monde renonce à Zaka, qui Jean Zaka ou voulez que Zaka fait, fait travail, il attribue pour le faire. Si tout le monde renonce à Zaka, ok, ça, dans Zaka vient pas même grand qu'une signification pour pifonner nous-mêmes. Zaka va bien me cafouiller, on va bien ouais vraiment. Zaka c'est lui-même qui représente la culture, parce que si la culture manifeste dans nous-mêmes, nous-mêmes encore nous rejetons la culture, nous rejetons Zaka. Bon, naturellement, comme étant donné que nous avons l'impression et Samba, nous t'aimons retourner sur plateau encore pour nous être capable de faire une interview, font plus parler sous affaires de bail, sous vaudou en général, loi. Et démembrer et afin de bailler sep ou comprendre moins les gens de bagages ailleurs à son tout bagage son pour permettre à ce que et communauté est capable de plus lecture sur ça pour... Mais naturellement, parce que une de bagages nous connaît, c'est que il a toujours fait comprendre que et que c'est si pays a pas qu'à développer, c'est vaudou qui est à la base. C'est vaudou qui est responsable. Que pays a, papa, qui obstacle à développer. Mais vaudou n'est pas responsable parce que vaudou, lui-même, c'est une religion qui presque, ou bien doit dire, qui a toujours essayé d'écraser, qui a évolué en cachette, tout le bagage qui est en cachette, papa, j'aime qu'il a vraiment évolué tout le bon vrai. Et c'est un faut libre. On va pour l'évoluer, mais oui, c'est mais tout. Mais on bagaille qui constamment en bas attaque. On bagaille qui constamment en bas attaque. Il n'est pas obligé attaque physique, mais il doit attaque intellectuelle tout. Oui, mais jusqu'à présent, on voit que les vaudouisants ont droit de citer parce que où jouent un temple, où jouent une sorte de prolifération des temples vaudou un peu partout. En Haïti, et me rappeler moi-même l'homme de la faculté d'ethnologie, j'ai une possibilité pour aller visiter beaucoup de Al-Nabadji, à visiter un fort. Vous comprenez, ça veut dire que gagner un travail qui fait et de Duval, l'école des griots, l'école des hygiénistes, tout M. Sayo, vous comprenez, moi, il était propulsé ça. Ça veut dire que pas ouais. Et même la constitution haïtienne, je pas quoi que une sorte de stéréotype vis-à-vis de vos lois. Oui, mais stéréotype là, il n'est pas même janté dans l'année 50 ou bien dans l'année 40, mais toujours là. Et son bon, il n'est pas même jan encore, parce que c'est la vaudouan, même j'en se dit là, il évolue tout, parce que grand pile monde qui passe dans l'école d'ethnologie. Et son bon, grand pile travail qui fait, mais il a toujours été là. Et son bon, il a toujours été là, comparativement avec un série de l'autre bagaille dans la société noire qui est acceptable. Alors, qui obstacle à l'émancipation vaudoua? Obstacle, c'est respect. Okay? Respect que nous-mêmes, Haïtiens, t'as supposé gagner. Vous avez parlé d'intolérance. C'est dans la même intolérance que vaudoua, dans le degré de là. À cause de l'intolérance. Pour jusqu'à présent, il y a intolérance. Pour jusqu'à présent, il y a des gens qui ne doivent pas laver, mode bail comme ça. Non, son bagage est totalement négatif. C'est seulement la négativité qui gagne là-dedans. Pour nous, c'est le monde, pas dit pour tout le monde. Mais la mentalité, ça a là toujours.
Alors, téléspectateurs, alors Samba n'a pas alors que pas parler nous allons retourner avec Samba et laisse ça n'a fait une discussion uniquement sur le vaudou. Sur le vaudou. Alors, mais est-ce qu'on peut bail et téléspectateurs qui ça contenu dans le programme non, et bail horaire ou qui l'œil est capable de suivre dans le programme là pour capable de programme là commencer programme là le plus souvent commencer en vaudou. Jouer musique vaudou pour commencer me faire une heure de temps à jouer musique vaudou avec racine après ça me changer moi dois jouer en jazz haïtien troubadour et puis me finir programme là en compa c'est musique seulement gain là musique seulement gain là moi dois gon invité pour venir parler de histoire par exemple c'est la mort Toussaint Louverture là il doit inviter un historien pour parler de vie Toussaint Louverture ou bien laisser Macandal pour parler de François Macandal. Et chose ça a fait, c'est en anglais ou bien en créole? Nous faisons en créole anglais, même fait plus en anglais parce que programme moi visé plus tout le monde et pas seulement exclusivement haïtien. C'est tout le monde parce que tout le monde besoin connaît qui est haïtien. En plus l'autre nation va respecter nous et parce qu'on va connaître rien de nous. Alors ça va et vous connaissez l'heure à faire nos défauts. Alors, qui dernier mot est capable de dire et à téléspectateurs? Oui, well, je dis que supporter tout le haïtien, parce que c'est un paquet de haïtien fait dans la communauté hein, qui mérite support. Et moi, je connais un peu haïtien, Stamford, Norwalk, Bridgeport, qui a supporté tout le haïtien qui a fait. Si tout le monde veut supporter, il a supporté. Pas de risalla.